l'école navale de Suite 17. La station qui appelle l'école navale, j'écoute. Oui, bonjour, est-ce que Suite 17 se présente avec deux taxes à bord en entrée? Ouais, merci. Une embarcation en sortie. Dans cette quête d'images de mer, les marins du ciel m'ont toujours fasciné. Aujourd'hui, j'ai la chance d'embarquer avec eux. Je vais immortaliser le dernier vol de la mythique Alouette 3 de la Marine Nationale. Avant de décoller, je commence par les réglages et la calibration de mon matériel photographique. Je suis assez tendu, car c'est très compliqué techniquement d'avoir à la fois la carlingue de l'hélicoptère nette et ses pales floues. C'est encore 50% de gâchis, quoi. C'est ça qui est très difficile, c'est que plus tu as la longue focale, plus tu es obligé d'avoir une vitesse rapide. Tu vois, au 800 mm, si tu n'es pas au moins au 640e, voire 800e, c'est pas la peine. Et à 800e de seconde, la pale, elle est nette. Donc il faut travailler sur pied, enfin c'est pas évident. L'hélicoptère il va décoller dans cette direction. Ok. Et le point il sera juste à côté des hangars ici. Je te montre. T'as de la chance pour la météo parce que là, c'est quand même royal. Voilà, on y arrive. Top, merci Paco. Bienvenue dans les hangars de la flottille 34F. Conçue par Sud Aviation, l'Alouette 3 a intégré la Marine Nationale en 1962. Véritable œuvre technologique et d'une fiabilité rarement égalée, on recense seulement deux incidents mineurs sur plus de 300 000 heures de vol sur l'ensemble de la flotte. Préparé, mise en route. Liaison opérationnelle, soutien de la force, sauvetage en mer font partie des nombreuses missions auxquelles l'hélicoptère a été affecté. En tout, c'est plus de 6 générations de pilotes, treuillistes, mécaniciens et pistards qui se sont succédés autour de cette aéronef de légende. Suivez-moi, on rentre en salle de brief. Et quand on a dit on passe sur cette fréquence-là, on a essayé juste en litres, parce qu'on est une Alouette 3. Hop, 400 litres. Voilà. Et nous on est sur le Yankee, c'est ça? À 550? Ouais. Ok. Donc ça fait du monde qui parle sur les trois fréquences en même temps, plus les cinq dans la machine qui parlent. Il faut que ça soit filtré dans les communications, de façon à ce que ça laisse la place à tous les deux hélicoptères de communiquer. D'accord. Et qu'à la fois vous vous demandiez précisément ce que vous souhaitez. Mais ok, bien compris. Tout à fait. On fera exactement comme hier. Début de travail, toi tu t'annonces. Je sors. Et dès l'instant où nous on s'est annoncé début de travail, moi je fais les comme. Exactement. Okay. Ça c'était bien. Moi ça me soulage sur la radio. Et après on garde l'uniforme. On check celle-là. 269, 250. On garde. Et là je te dirai. Et 275. 275, 275. Et là je te dirai si jamais. Non, 275, 750, non. Evan, pas fermé, ce sera bon. Ok, tout le monde nous entend les gars, c'est bon, Erwan, Evan, c'est bon. Ok, alors c'est bon, moi, je les accroche et après on pourra rouler. Ok, la loi devra rouler. Test Firefail. Oui, tout correct. Test cerveau cargo. Correct. 120 de vol. Recentré. Le collectif. Rentré. Le frein de part. C'est vrai. Et à la gauche, ok, briefing décollage, on va faire un décollage ponctuel exploitant, 30 pieds, 39, la décision, si pas de moteur avant, on interrompt, on pose sur l'herbe qui nous reste, si pas de moteur après, et bien on poursuit. On se reportera en vent arrière main.
droite, de poser mon nom sur la piste. Vol décollage 1, 3, 2, 1, top décollage. 90, 95, 95. Il est foncé. Parce qu'il y avoir un dragon à gauche normalement qui va pas gauche. Côté nord, nous, ouais. Avec les tas de poids derrière. Du coup, t'auras la côte derrière, Evan.